Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est vendredi 3 mai et en fait il y a une grosse mise à jour sur Mobile d'aventure. Donc pour le champion, Alice, donc c'est le Hurle. Donc il y a une grosse mise à jour autour d'elle. Donc on va aller voir ça ensemble les amis. Let's go! Bon les amis, on est carrément en live. Au moment où je vous parle, il est 10 h. Donc voilà, on va tout voir ensemble direct comment ça se passe. Alors, nouvelle apparence légendaire, bon ça on le savait. Alors, serment éternel qui est disponible, utiliser les parchemins éternels pour obtenir. Okay. Moi j'aurais bien la montée en éveillé 2 pour mettre au moins les gemmes de gloire. Et voire même en éveillé 3 pour vraiment lui mettre les stuff T5. Donc ça serait pas mal. On va aller voir ce qu'il y a dans les événements. S'il y a un truc pour elle. Alors, il y a ça. Alors, briser le sceau externe et invoquer l'apparence légendaire. Ouais, bah, ça, à mon avis, les gars, c'est la carte bleue. On sait tous comment ça va se passer. Hein. C'est la CB qui va prendre dessus. Alors, attends. Ouais, donc ça, c'est des quêtes à faire pour récupérer des ronces. Ok. Donc là on aura déjà une copie à la fin. Donc ça c'est gratos. On a une copie du champion. Bon ça c'est cool. C'est ici que j'étais. Hein. Ouais. Et ici chemin d'éveil, chemin de l'éveil, pardon. Donc là c'est autre chose. Donc là, ok. Donc là comme moi je l'ai monté en éveillé, il te met directement les récompenses. Alors ça c'est gratuit. Et si vous avez un peu de un petit peu donc voilà vous pouvez avoir des récompenses supplémentaires ici en obtenant en mettant ces sommes voilà c'est chacun fait ce qu'il veut hein. Moi je prends les gratuits hein, déjà mais arrête de me virer je prends les gratuits déjà et puis voilà hein. On va pas parce qu'après c'est ouais, j'ai pas les moyens de mettre autant quoi. Bon, ceux qui ont les moyens, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter tout ce que vous avez. Ça montera beaucoup plus vite. Vous avez déjà une, deux, trois. Non, trois copies du champion pour 500 euros quoi. Ça va. Donc voilà. Voilà. Donc là, il y a moyen d'avoir en éveillé, sachant qu'on va l'avoir sans pouvoir débloquer, sachant qu'on va l'avoir une gratuitement. Il nous en manquera une, je sais même pas si j'en ai pas une autre qui traîne, une copie. Non, pas du tout. Donc il m'en faudra deux, il m'en manquera une, je veux dire, pour avoir le truc. Mais moi, je voudrais bien voir, c'est les tirages du coup. Alors, on va voir les tirages ensemble. Alors, qu'ils ont mis? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc là, c'est quoi? C'est ouais, ils ont remis, ok, sur le truc éternel. Ok, donc à mon avis, on doit pouvoir acheter par contre avec. Attendez, normalement on peut acheter des parchemins. Obtenir. Normalement, c'est. Y avoir, je crois qu'il y a des parchemins qui sont moins. Donc là, il y a une copie ici, bon, payant. Mais normalement, je crois qu'il y a une copie qu'on peut avoir, on peut obtenir. Alors attendez. Prolongation, prologue, éternité. Donc là, déjà là, on peut déjà voir. Moi, je pense que je vais prendre les 10 là déjà. Vais déjà prendre les 10 là. Ça, il me restera ça, mais ça, je garde pour moi après. Niveau thune, vaut mieux essayer de prendre ça. Donc là, on peut faire une fois. Donc pour 2500, c'est largement rentable. Si vous avez un peu de gemmes, moi, j'ai gardé un peu de gemmes et souhait pour ça. Et ici, on en a un deuxième. On n'en a toujours qu'un seul. Après là c'est vraiment le prix de base on va dire c'est comme les serments sacrés en fait c'est le même truc quoi. Donc moi j'ai pris ça déjà mais il n'y a pas les serments qu'on peut débloquer donc il y a ça mais je crois qu'il y avait un autre truc encore attendez mais non je vais pas faire un tirage allez maintenant je peux putain je suis con. Alors, attends, on va prendre ça d'accord mais moi je voulais voir Alors on fera après. On fera après, sachant qu'on aura une là. Alors on va essayer de l'avoir déjà.
un petit peu. Bon, là, on va avoir ça aussi. Ce serait ça bien qu'on les taux là. Voilà, c'est compliqué. Ok. Allez là! Donne-moi là, là, sérieux! T'as encore un truc. Ah, moi je l'ai là. Ah, gros, j'ai claqué 110 machin et je vais l'avoir une fois. Eh ben, mon gars! Alors, sachant que là, on aura en éveillé un, du coup. Comme on l'aura gratuit, il m'en faudrait deux, quoi. Il m'en faut encore deux. Bon, ça va être compliqué. Hein. 50, à mon avis. Là, si je l'ai encore une fois, c'est beau. C'est très très beau. Après, il en reste 40. Bon, par contre, on récupère une chier de trucs à côté. Hein. Tout ce qui est puzzle, machin. On récupère pas mal de trucs. Après, c'est pas ouf non plus. Hein. Parce que c'est même pas des. Ah, s'il y a 24 heures, 2 heures, 6 heures, ouais, c'est pas ouf. Bon, il nous en reste 3 encore. Ce serait bien qu'on les ait au moins une fois encore, ça serait cool. Comme ça, il nous en manquerait une pour avoir en éveillé deux déjà. Ça serait déjà pas mal. Ah, ok, bon, ça c'est bon. Tac, et un tirage. Si on l'a directement, ça serait cool. Deux fois de suite là. Non, on va pas rêver non plus. On va pas rêver non plus. Alors, tac, du coup. Mais moi, je veux voir autre chose. Obtenir. On va faire le dernier là. Rêve d'un autre monde. Oh. Ah, mais ça, c'est dans le. Mais c'est dans le. Comment? Dans le machin? Bah, il y a déjà des mecs qui l'ont déjà. Mais c'est. Attends. Parce que ça, rêve de l'autre monde, là, c'est quoi? C'est dans le. Ils ont ouvert. Le Mirage Chantin? Ah, ouais, c'est ça. C'est dans le Mirage Chantin, en fait. Rêve d'un autre monde. Donc là, faut patienter un peu pour avoir pas mal de récompenses. Même gemmes et tout. Que les gros joueurs passent les chapitres comme ça, vous allez avoir pas mal de récompenses ici. Bon, faut attendre une heure. Hein. Faut attendre une heure, après c'est bon. Donc voilà, sinon, il y a quoi d'autre autour de Alice Aklis? Sinon, il n'y a rien d'autre autour de. Il y a tout normal. Il n'y a rien d'autre à part ça, quoi. Sinon c'est ça reste standard je crois. Je pense pas qu'il y ait autre chose autour de du champion. Ils ont remis 13 heures de la forêt. Là ils ont remis. Ça c'est quoi? Ça sert à quoi ça? Il doit avoir une boutique. Ça on va récupérer. Il doit avoir une boutique de trucs là. On va aller voir, je crois que c'est dans les événements de elle justement. Obtenir boutique. Boutique d'échange. Alors à mon avis, boutique d'échange. Hein? C'est avec. C'est même pas, ça n'a rien à voir, c'est avec des sortes de yeux là. Invocation. Ah, c'est pour invoquer, du coup. Donc là, invoquer, attendez, on va regarder déjà. Taux de récompense. Ah! Bon, le skin, les gars, 0,01%. Voilà, c'est. Bon, on a 20%. Ah, par contre, on a 20% d'avoir ça. Illimité, donc, à mon avis. Par contre, les trucs de L, le cadre, plus ça. Ah, ouais, 0,01%, vous imaginez? Pour l'avoir, c'est un truc de ouf. Dans la faille magique, chaque récompense ne peut être tirée au sort qu'une seule fois. Saut externe, faille magique. C'est quoi la différence entre les deux? Faille magique. C'est quoi la différence entre les deux? Entre le saut et la faille. Ah, c'était ça le. Entrer dans la faille magique. Ah, ça, c'est la faille. Et le saut. Je sais pas du tout. Le saut, c'était ça, du coup. Non, c'est ce que tu invoques ici, hein, je pense. C'est quoi ça? À l'intérieur de la faille magique, vous pourrez continuer à faire les tirages pour obtenir l'apparence légendaire. Ouais, donc en fait, faut déjà que tu claques ça, déjà là. Bah, faut aller encore.
Ça, les gars, ça va être. Voilà, on a déjà réclamé ça déjà. Hop. On a déjà des ronces. On va récupérer ça. Éliminer trois ennemis du donjon. Dans le donjon. Ah oui. Obtenir une fois des plats à la fête des guildes. Bon, ça, c'est assez simple. Et on aura. on aura quoi? On aura ça. On sera. Non, c'est. On n'aura pas ça. Donc là, on est à 20. On est, et puis là ça monte hein, ça monte au fur et à mesure je crois normalement. C'est là au début c'est 5. Donc là vous pouvez tirer. Imagine j'ai le skin. Bon ça c'est pas mal. Ça franchement c'est pas mal. Taux d'entrée dans la faille, 3% 21. Ah non, ça reste 5 là. Oh j'ai peur. Oh j'ai. Oh, il s'est mis là, sérieux là? Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait tac tac. Ah, il s'est arrêté là en fait. Putain, c'est une blague. Ouais, il a bugué, non? Parce que vu que. Oh putain, pas mal. Vu comment c'était, à mon avis, j'aurais pu l'avoir le skin là. Enfin, le skin légendaire, ça aurait été beau. Mais bon, après, c'est qu'un skin, gars. C'est pas ouf. Alors, il n'y a rien d'autre, hein. Ah, je remets un truc dans la table. Oh, on va aller voir ça, les gars. On va aller. Alors, est-ce qu'ils ont mis là ou. Où est-ce qu'ils ont mis. Alors, taverne. Non. Ah, c'était pour après. Du coup, c'est quand? C'est quand que ça rentre? Ça se trouve, c'est pas maintenant. Hein. C'est plus tard. To go. Le 5. Bah, si, c'est là. Ah non, le 5. 5-10. Ah, c'est le 10 mai. Le 10 mai, donc c'est la semaine prochaine. C'est vendredi prochain en fait. Vendredi prochain, il y a un nouveau truc dans la taverne. Alors, je sais pas ce que ça va faire. Ah ouais, tu peux récupérer. Pas mal, faudra voir comment on peut récupérer ça. C'est des quêtes ou machin ou. Ah ouais, ils ont refait toute la truc de taverne. Ah, ça peut être cool. Hein. Ça peut être cool. Allez les gars, je suis nul en anglais alors. Mais c'est cool, donc ça arrivera vendredi prochain. Donc on testera ça. Hein. On aura plus d'indications la semaine prochaine. Donc il y aura des combats à faire. Bon, je pense qu'au début ça sera facile. À mon avis, peut-être tu auras peut-être aussi un mode de. Un peu comme la taverne, c'est avec les niveaux. À mon avis, il faudra monter, monter, monter. Ou pas du tout. C'est. Ok. Des fois, j'arrive à déchiffrer un peu, mais. Ouais, tu maximises ton gain et tout. Oh, par contre, il y a plein de trucs. Par contre, il y a plein de trucs. Il y aura des trucs différents, de combats à faire et tout. Ah ouais, ouais franchement, ça arrive la semaine prochaine, donc ça, c'est cool. Là, à mon avis, le level, vous voyez, à mon avis, les levels, voilà, il va falloir qu'on monte les levels en allant, comment, faire les quêtes et tout. Et au fur et à mesure de ça, bah, les gains seront vraiment plus élevés de plus en plus. En plus, il y a un level sur les coffres, donc c'est exactement, ça marche avec les levels. Plus on va faire de quêtes, plus on va monter, voilà, level 1, level 1, il faudra faire ça pour débloquer le level 2, et ainsi de suite. Alors, là, normal entrée, rare entrée, pareil pour là. Donc ça, c'est avec les quêtes sûrement à faire. Donc et au fur et à mesure, on va. Après, je sais pas ce que tu vas débloquer là, il faut 12 points. Alors je sais pas ce que ça débloque après, si ça te débloque un bonus sur tes champions ou alors juste de pas avoir plus de récompenses. Je sais pas trop. Mais vraiment un gros truc, hein. Là, il faudra voir vendredi prochain, les gars, ça risque d'être pas mal, hein. On verra, et au moins il y a un nouveau truc, au moins c'est cool, il laisse pas non plus le jeu. Parce que là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc de nouveau. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça arrivera le 10. Le 10, le 10. Donc là, du coup, bah là, ça c'est normal, il n'y a rien. Bah, tout est normal, hein, frérot. Hein, c'est. Et voilà. Alors on va essayer quand même de faire. On va monter à 10 quand même. Sachant qu'il va nous en manquer une.
Il va nous en manquer une pour la passer en éveillé 2, pour mettre tout ce qui est gemme de gloire. En plus, j'en ai pas mal. Des gemmes, j'en ai pas mal pour elle. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 gemmes de gloire à lui mettre sur 8. Donc, ça serait vraiment cool, quoi. Je peux lui mettre direct. Sinon, il n'y a que ça. Hein. Sinon, il n'y a que ça. Ah bah du coup ouais je peux refaire celui-là. Imaginez j'arrive à l'avoir là. C'est vrai. Tant que j'ai monté ça et je peux débloquer. Alors on va faire un tirage direct là. Allez, imagine on l'a direct, là ce serait cool. Oh, c'est trop beau. Ça aurait été trop beau. Alors là du coup maintenant bah, pour faire les tirages, c'est compliqué. Parce que maintenant on peut plus. Là-dedans, chemin d'éveil, c'est. On aura une fois. Non, chemin d'éveil, c'est. Ouais, non. Ça, c'est trop cher. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Là, c'est. On l'aura une fois. Ici, je sais pas si on l'aura. La boutique d'échange, c'est que des. On n'aura pas champion, je pense pas. On aura que les trucs à côté. Ça, c'est le skin. Ah, c'est peut-être une fois à 60. Mais bon, je sais pas. On sait qu'on les obtient, ça. En invoquant avec des gemmes de maîtrise, vous avez une chance d'obtenir. Des yeux d'or. En évoquant des gemmes de maîtrise. Oh, ouais, à mon avis, les gemmes de maîtrise. Bah, c'est pas ça, les gemmes de maîtrise. La gemme de maîtrise. Bah, gros, j'ai invoqué, il m'a rien donné, hein, j'ai pas d'œil. Hein. Fous-moi, lui. Fous-moi, lui, non? Ouais, c'est ça, vraiment. Qui est payant tout 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 qui est payant frérot c'est mort ici bah, on a plus après c'est qu'avec la thune avec les gemmes et là donc bon ici c'est fini 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 donc là c'est plus qu'avec des gemmes pour débloquer bon j'ai pas assez de gemmes et puis voilà hein, après on a fait le tour. Ah si, peut-être ici, on récupérera peut-être un peu de gemmes. Est-ce qu'on peut... Ah, peut-être avoir le champion dans le niveau 2. Au niveau 2, dedans, je pense qu'on peut le débloquer. On a le champion, je pense. Voilà, là, faut juste attendre, les gars. Ça va... Voilà. Je dis, ça va débloquer direct. Là, les gros joueurs, ils y vont direct. Hein. Donc, ils sont déjà finis. Mais je pense qu'on peut faire le niveau 2... On peut passer le chapitre? Non. Ah ouais. Donc là, on va ouvrir. Alors, max. Là, il faut vraiment avoir max de gemmes. Pour essayer de. À 1500 là. Allez là! Ça va. 1500 encore. On va avoir. Non. Bah, 125 la gemme. Là, j'ai plus bas quoi. Encore! Eh, 1000. C'est pas ouf, hein. C'est bon, ça va quand même, ça fait quand même des gemmes gratos, c'est cool quoi. On va pas non plus cracher dessus, franchement. Bon, voilà, ouais, les mecs sont déjà avancés, et nous, du coup, là, on peut y aller en fait. Ok, tombé la nuit, ouais, on va passer. Voilà. Et je pense que au niveau 2, à la fin du 2, on peut. Là, on l'a monté. Là, on peut. Je pense qu'on peut aller loin. Là, maintenant qu'on l'a bien monté, on est en éveillé 1. Bon, je pense que là, on va vraiment bien booster le champion. Je pense qu'on l'aura une fois. Non, je pense qu'on l'aura en éveillé 2 au bout de quelques jours. Donc, ça, c'est cool. C'est mon premier ur hein, que je monte. Donc, bah, ça se fait. Hein, fait un chouille. C'est tellement dur à avoir. Voilà, je suis à la moitié quand même. Bon, ça c'est cool. Bah non, du coup, bah, faut la mettre. Hein. Obligé. Et là, du coup, ah ok, d'accord. On a que. Ah, ok, d'accord. On a que en chaos et en obscur. Ok, chaos obscur. Chaos obscur, donc on va faire une petite team tranquille et puis
puis voilà, hein. Donc là, je pense qu'on va pouvoir avancer. Bien, bien, bien avancer. Ouais, les amis, je vous ai épargné tous les 40 combats. Hein, donc là, on arrive à la fin du chapitre 2. Bon, je vous cache pas que c'est assez facile. Donc là, je suis en automatique depuis le début. Franchement, j'ai éclate. Donc là, je pense que le boss final, ça va être du rapide aussi. 50 000. 50 000 cas, bon. Après, je crois que on verra au 3, c'est ce que ça monte beaucoup ou pas. Alors, est-ce que ça monte beaucoup ou pas? Moi, je vous laisse. Je vous laisserai lire. Non, non, je vais pas en même temps. Alors, la puissance, 57 000. Ah, il y a deux teams là. Ok, bon, ça va encore à deux teams. Deux teams. Ça, on va mettre. Vas-y, on va mettre Rista derrière. Et là, on va mettre ça. On va mettre ça et ça. Tac, ça, on va mettre ça comme ça, comme ça. Comme ça. Et ici, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Bon, là, on devrait être encore bien. Je pense qu'on peut aller au bout du chapitre 3. Il y a peut-être moyen quand même. À mon avis, c'est beaucoup plus long par contre. Il y a deux combats. Alors, attendez, moi, ce que je vais faire, je vais faire ça. Et je vais regarder. Est-ce que. Non. Je vais regarder ce qu'on gagne au bout. On va pas voir. Ah, on peut pas voir ce qu'on gagne au bout du chapitre. Alors attendez, parce que là j'ai 20 serments du coup là. Allez, faut qu'on l'ait là au moins une fois. Ça serait cool. Allez. Bon ben voilà. Mais bon, je pense qu'encore, allez, 2-3 tirages et je pense qu'on pourra l'avoir. Moi, je vais m'occuper de monter ce mirage là. Si on peut avoir un truc au bout, ce serait vraiment cool. Bon, les gars, le dernier combat là, on est au 3-20. Ouais, je pense que c'est gagné, les gars. Il reste plus qu'un champion. On a passé le 3-20. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des parchemins encore. Ben voilà, j'arrive à la limite. Hein. Je suis à des quasi pareils en termes de puissance. On est à 170 millions. Donc, ben je vais essayer d'aller le plus loin possible au 4. Mais à mon avis, j'irai jamais jusqu'au 4-20. C'est beaucoup trop gros. Alors, allez, vas-y, vas-y. Donne-nous le champion là. C'est bon. C'est bon, on le rassure en éveillé 3. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, ben voilà les amis, hein, on arrive au bout de cette vidéo. Donc, très bonne chance à vous pour cette mage spéciale à Crystalis. Donc, je croise les doigts pour vous, pour que vous l'ayez un maximum. Ça vous aidera beaucoup, je pense. Hein, comme non, ça reste un UR. Hein, donc, même si c'est l'un des premiers UR, ça fait le café, quoi. Donc voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais vendredi prochain, les gars, il y a un nouveau truc sur la taverne. Donc, ça va être vraiment stylé. On va voir ça. On verra ça. J'espère que ça va être bien. Donc, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Bisous tout plein. Portez-vous bien. Bonne chance à vous pour Alice. Et à plus. Allez, ciao, bye.